Y les presento ya al profesor que nos acompaña a continuación, Dominique Poulot, que es profesor de Historia del Patrimonio en la Universidad de París I y también es miembro senior del Instituto Universitario de Francia. Como digo, es un historiador francés, profesor de la Universidad de París y especialista en la historia del patrimonio y los museos, tema sobre el que escribe numerosas publicaciones e imparte cursos y conferencias. Su bibliografía la tienen en la carpeta, está mayoritariamente en francés, pero me acaba de explicar que tiene un libro traducido al español, Museos y Museología, en la editorial Abada. Otras instituciones en las que ejerce su labor docente son la Escuela del Louvre o la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales, también de París, y ha sido profesor visitante en otras universidades, no solo francesas, sino también americanas. Y durante el año 2010 es investigador del Getty. Como digo, la conferencia se titula París y el ideal de museo universal. Y será en francés para la traducción simultánea. Sí. Buenas tardes. Toutes mes excuses pour parler en français. Comme mon collègue Martin Roth, ce matin, je parlerai plus lentement. Je voudrais commencer par la visite d'une femme qui est devenue, d'une certaine manière, une icône de notre temps. Et sa rencontre, qui est ici publiée dans le International Herald Tribune, sa rencontre avec une des toiles du musée d'Orsay à Paris, un Van Gogh en l'occurrence. Au fond, une des questions de ce cours est au fond pourquoi une héroïne politique de notre temps est-elle d'une certaine manière contrainte de se plier au rite du grand tour et donc de figurer dans cette iconographie très conventionnelle de l'admiration d'un grand musée européen, en l'occurrence le musée d'Orsay. Il existe d'autres photos, cette fois sur le site très officiel du ministère de la Culture français, où la même héroïne de la Birmanie visite cette fois le Louvre, en compagnie de la ministre la nouvelle ministre de la Culture française. Et il est intéressant de regarder, si j'ose dire, derrière elle, les toiles du Louvre qui ont été choisies pour figurer sur le site internet, le website du ministère. Le grand David, mais bien sûr aussi la Joconde, où cette fois le directeur du Louvre a pris place. Et enfin Delacroix et cette image emblématique, en l'occurrence de la liberté guidant le peuple. Ces photos sont très convenues, elles appartiennent à une iconographie traditionnelle qui a commencé avec l'âge des musées, à la fin du XVIIIe siècle, notamment au Vatican, quand le pape faisait les honneurs de sa collection aux souverains étrangers. Mais on peut se demander ici si le musée du Louvre et son directeur font moins les honneurs de Mona Lisa à une visiteuse que la visiteuse ne fait honneur au musée et à son directeur. En particulier, Mona Lisa, ce que l'historien d'art Hans Belting appelé le fétiche de l'art du XXe siècle, c'est-à-dire la Mona Lisa de Duchamp ou de Warhol, le cliché de la politique culturelle française menée par André Malraux en 1963, lorsqu'il menait Mona Lisa à Washington devant John Kennedy, peut se demander si et comment le fétiche de cet art du XXe siècle
a finalement poursuivi sa carrière grâce à ce genre de visite. Mais évidemment, le grand tour au XXIe siècle, ce n'est pas que la visite de célébrités, ou ce n'est plus exclusivement la visite des célébrités, c'est la visite touristique, la visite de masse, comme on a l'habitude de le dire, un ensemble de pratiques culturelles devenues relativement banales. Et au fond, l'un des aspects de l'invention du grand tour au XXIe siècle, c'est tout simplement l'invention des études de public, c'est-à-dire l'invention d'un nouveau discours, d'une nouvelle préoccupation également des directeurs de musées, bref, aussi, d'un nouvel objet de polémique, des polémiques intellectuelles, culturelles, des polémiques politiques surtout, dans un pays où, comme le cas français, les musées dépendent directement de l'État et dépendent en particulier directement de l'État pour leur financement. Et donc ont à prouver, d'une certaine manière, leur utilité publique grâce à des statistiques. En France, une figure d'intellectuel a particulièrement incarné cette apparition d'un nouvel objet dans le discours public et intellectuel, c'est Pierre Bourdieu. Et l'étude de Pierre Bourdieu, parue en 1966 et intitulée « L'amour de l'art, les musées en Europe et leur public », a été une pierre d'angle, un élément très important, de la constitution d'un débat public sur ce qu'est le tourisme aujourd'hui dans les musées. On peut dire que les visiteurs de musées ont eu, au XIXe siècle, la faveur des romanciers, et c'est ce que, en partie, Eduardo Arroyo évoquait tout à l'heure, à savoir la constitution du Louvre, notamment, comme objet littéraire, comme lieu de littérature. Et vous savez qu'il existe aujourd'hui des recueils de littérature sur le Louvre, littérature de visiteurs, littérature de littérateurs, si j'ose dire, ou de grands auteurs, tels que Stendhal, bien entendu. Au XXe et au XXIe siècle, les visites et les visiteurs de musées ont plutôt attiré, et on peut le déplorer, ou s'en réjouir, selon le cas, les sociologues et la littérature de sciences sociales. Chaque siècle, dira-t-on, a les observateurs qu'il peut, et peut-être, comme l'a dit un sociologue français, notre siècle, en matière de visite de musée, a gagné en rigueur ce qu'il a perdu en saveur. Alors, de l'étude de Pierre Bourdieu a découlé, dans les années 1970 à nos jours, un certain nombre de constats. Et ces constats sont à peu près toujours les mêmes des années 1970 à aujourd'hui, c'est-à-dire sur une génération. Deux personnes sur trois en France disent qu'aller au musée est un vrai plaisir. Et ce plaisir peut évidemment se développer dans un certain nombre de raisons. Ce qui veut dire inversement que près d'un Français sur trois n'a aucun intérêt pour les musées. Et notamment que, d'après les statistiques, un Français sur trois n'entre jamais dans un musée. Ce chiffre est à peu près resté stable. Et il est valable à peu près aussi pour l'ensemble des musées européens. Pourquoi ? Eh bien parce que les musées, même pour ceux qui les fréquentent d'ailleurs, sont souvent tenus pour des endroits peu chaleureux où l'on est livré à soi-même, c'est-à-dire où l'on manque d'explications, et où, si on ne dispose pas par sa culture personnelle ou son
disons, sa formation familiale de ces informations, on est perdu. Autrement dit, le constat de Pierre Bourdieu de la décennie 1960 s'avère largement vrai aujourd'hui, même si le nombre de visiteurs, particulièrement dans les grands musées parisiens, a littéralement explosé depuis une génération. Ce qui veut dire que cette croissance du nombre des visiteurs n'est pas une extension sociale, mais que ce sont les mêmes visiteurs qui reviennent dans les musées. Autrement dit, le public des musées se recrute principalement dans les catégories à fort capital économique et culturel. Et toutes les statistiques dont on dispose aujourd'hui, grâce aux enquêtes des musées et aux enquêtes des services du ministère de la Culture en France, prouvent que aller au musée demeure une pratique certes intéressante, mais réservée de fait à un public précis, à un public qu'on peut qualifier d'élite. Et c'est aussi vrai, non seulement évidemment pour les visiteurs français, mais pour les visiteurs internationaux. Je voudrais évoquer maintenant ce qu'il en est des musées et du tourisme à Paris, dans ces grandes lignes. Vous avez ici les 15 musées les plus visités au monde en 2008. Et vous voyez, sans surprise, que le Louvre arrive en tête, mais que, également, Paris détient 4 musées dans cette liste des 15 plus grands, sinon des plus grands, au moins des plus visités des musées du monde, pour un total de 17,5 millions de visiteurs. Paris est suivi par Londres, qui a 3 grands musées qui concentrent 15 millions de visiteurs. Ce formidable succès des musées parisiens, et en particulier ce formidable succès du Louvre, est directement lié à son caractère international, puisque, pour le dire vite, les visiteurs du Louvre sont surtout des étrangers, 67% des visiteurs du Louvre en 2008 étaient des étrangers. Et donc seulement un tiers des visiteurs du Louvre sont des Français, des Parisiens ou des habitants de la région Île-de-France. Et pourtant, le Louvre est relativement peu international dans sa communication. Il l'est par exemple beaucoup moins que la Tate, en particulier la Tate moderne à Londres, si l'on considère le nombre de langues dont les visiteurs disposent à l'intérieur du musée. En tout cas, les musées et les monuments parisiens sont un lieu mondial de tourisme, c'est un point essentiel aujourd'hui, et avec la Tour Eiffel, bien entendu, le musée du Louvre a atteint le record de 8,3 millions de visiteurs. Parallèlement, la ville de Paris est aussi un lieu intense du grand tour des expositions temporaires, de ce que Francis Haskell appelait les musées éphémères. Je n'en parlerai pas car ce n'est pas le sujet de ce cours, mais néanmoins, les expositions temporaires à Paris ont accueilli 10 millions de visiteurs, avec quelques phares, comme évidemment l'exposition Claude Monet dans le Grand Palais. Ce qui est intéressant, c'est que venir à Paris, c'est bien participer à une tradition de grand tour, puisque venir à Paris, ce n'est pas venir acheter des produits de luxe, mais c'est, d'après les touristes au moins, d'abord visiter les monuments et les musées. Et c'est particulièrement vrai pour les visiteurs des États-Unis,
qui fournissent le plus grand contingent de visiteurs pour le Louvre et Orsay. Ce tourisme se centre sur un certain nombre de lieux parisiens. Paris est une petite ville considérée spatialement, et notamment par rapport aux autres capitales européennes, et par conséquent, la Seine constitue un lieu majeur de promenade patrimoniale et évidemment de promenade dans les différents grands musées. Les 5 musées parisiens, ou à peu près régionaux, qui concentrent la majeure partie des touristes, sont évidemment le Louvre, que vous voyez se détacher nettement dans la courbe, Versailles, qui a mené une politique d'exposition importante, Orsay, le musée d'art moderne, Pompidou, et le nouveau musée du Quai Branly. Le nouveau musée du Quai Branly, évidemment le dernier, le plus neuf, celui qui a aussi le moins de touristes étrangers, car contrairement aux autres, le musée du Quai Branly a un public essentiellement français, essentiellement parisien et régional. Donc on voit très bien que le Louvre se détache de façon spectaculaire de l'ensemble des musées parisiens, suivi encore une fois par Orsay. On voit ici également très nettement que le Louvre, en jaune, est un musée des étrangers, tandis que le centre Pompidou est plutôt un musée français, c'est-à-dire visité par des Français, tandis que le musée d'Orsay est un musée à nouveau étranger, c'est-à-dire visité en majorité par des touristes étrangers. Si bien que si on doit parler du Grand Tour en France et à Paris, on parlera essentiellement de 2 musées, le Louvre et Orsay. Les autres ne relevant pas spécifiquement de la tradition du Grand Tour qu'on a évoquée ce matin et sur laquelle je ne reviens pas. La dispersion des visiteurs, elle est mondiale et toutes les études le prouvent, avec une majorité d'Amérique du Nord et d'Italie, comme vous le voyez, mais c'est une distribution universelle. Et en ce sens, le discours du Louvre global est d'une certaine manière justifié. Alors on a pu imaginer cette carte très drôle, qui donne la probabilité de visiter les musées parisiens pour des touristes étrangers, et où la représentation des continents, par exemple, est proportionnelle aux espérances de visite de leurs habitants pour les musées parisiens. On a ainsi une map monde du Grand Tour parisien, qui est une map monde spectaculaire, mais qui ne doit pas non plus faire oublier que cette map monde, ce qu'on ne peut pas faire figurer ici, est une map monde sociale, c'est-à-dire que seuls les privilégiés, pour le dire rapidement, visitent les musées parisiens. Le Grand Tour n'est pas moins élitiste, au fond, au XXIe siècle qu'il l'était au XVIIIe siècle. Et même à l'intérieur de l'Union européenne, les différences sont tout à fait spectaculaires entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, puisque 40 à 60% des habitants de l'Europe du Nord pratiquent un tourisme culturel international, qui va par exemple les amener à Paris, tandis que moins de 20% des Français, des Italiens et des Espagnols pratiquent ce même tourisme culturel international. J'en viens maintenant à la brève histoire des musées parisiens.
Paris n'a pas été, contrairement à Rome, dont on parlera demain, ou à d'autres exemples, n'a pas été un lieu marquant du grand tour européen du XVIIIe siècle. Bien entendu, il y a des voyages, il y a une culture du voyage en France, mais cette culture de voyage reste faible. Et au fond, l'image du Louvre, c'est celle du palais. C'est celle du palais royal, c'est celle d'un palais abandonné lorsque la cour part à Versailles et qui reste inachevé jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Les toiles qui représentent le Louvre à la veille de la Révolution sont des toiles qui représentent un chantier. Et c'est Napoléon qui dégage le Louvre des maisons qui lui sont accolées. C'est lui aussi qui va vider les habitations d'artistes qui étaient alors installées au Louvre pour protéger évidemment le musée. C'est Malraux, enfin, qui va faire dégager la colonnade de Perrault. On peut dire donc que le musée du Louvre est une création récente. C'est une création d'ailleurs tout à fait contemporaine en ce qui concerne le Grand Louvre. Néanmoins, le projet, disons, intellectuel du Louvre est un projet des Lumières. C'est un projet qui a été admirablement représenté à la gloire du ministre des Arts de Louis XVI avec ce grand plan de la Grande Galerie au moment où cette Grande Galerie est encore une galerie de maquettes militaires et où elle n'est pas encore la galerie des peintures que l'on connaîtra sous la Révolution et après la Révolution. Cette toile de Hubert Robert est une des utopies du musée du Louvre de la fin du XVIIIe siècle, quand le peintre Hubert Robert, qui est en fait chargé de la direction muséale du Louvre, décide d'imaginer un éclairage zénital et décide de rompre le trou, disons, que constitue la Grande Galerie par une animation de statues, d'arcs et de personnages de copistes. Mais c'est la Révolution française qui ouvre le Louvre, comme le porte toujours l'inscription commémorative. Elle l'ouvre pour célébrer le premier anniversaire de la proclamation de la République. Ce premier musée est un musée universel d'emblée, dans la mesure où c'est un musée des conquêtes de l'armée française, en particulier d'Italie, et où cette image de la glorification militaire se poursuit sous Napoléon. Ce n'est donc pas le patrimoine français qui est montré aux visiteurs du Louvre, c'est le patrimoine universel, celui des antiques pris à Rome. Et cette vocation universelle est la seule qui paraisse correspondre à l'ambition républicaine du musée. Bien entendu, cette vocation universelle, il faut qu'elle soit reconnue par les artistes de tous les pays. Et cette toile de Samuel Morse, qui date de 1833, et qui a été exposé notamment au Louvre lors de l'exposition consacrée aux artistes américains au musée. Cette toile donc de Samuel Morse est un bel exemple de la reconnaissance universelle du musée. Si Morse peint le Louvre, c'est parce qu'il croit que pour fonder une école nationale de peinture en Amérique, il faut disposer d'un ensemble de modèles, et parce qu'il croit que le musée du Louvre est le plus propre à fournir l'ensemble des modèles dont ces jeunes peintres ont besoin. Dans cette image du Louvre,
On observe aussi que la fameuse Mona Lisa est mal placée. Et c'est un indice, évidemment, du changement des références dans ce même cadre universaliste du Louvre. Mais c'est au cours du XIXe siècle que Paris et ses musées deviennent véritablement ce que quelqu'un qu'on a beaucoup cité aujourd'hui, à savoir Walter Benjamin, appelait Paris capitale du XIXe siècle. Pourquoi est-ce que Paris est devenue la capitale du XIXe siècle? Eh bien, notamment à travers la succession d'expositions universelles, d'expositions internationales, dont elle a été le lieu, vous avez ici la série, de toutes ces expositions qui ont petit à petit élaboré un ensemble d'édifices, mais aussi un ensemble de collections, et surtout qui ont fait de Paris un lieu où les touristes du monde entier, en quête de musées, d'expositions, de culture visuelle, avaient pris l'habitude d'aller. Cette image mondiale, je dirais, elle a été portée par les illustrés, comme le fameux monde illustré sous le Second Empire, et elle a été portée aussi par l'abondance des copistes privés, mais professionnels aussi, qui ont répandu les toiles du Louvre, et je montre évidemment les murillos. On est passé au XXe siècle de ce que j'appelle la ville Louvre au musée Monde. Alors la ville Louvre, c'est cette image du Louvre comme ville, comme petite ville dans la grande ville, comme microcosme dans la capitale parisienne. C'est aussi la ville Louvre comme métaphore, évidemment, de la France tout entière, sinon de l'universel. La ville Louvre, c'est aussi la manière dont certains, comme Louis Bérou, ont joué avec les événements de Paris et les événements à l'intérieur du Louvre. Paris, en 1910, connaît une inondation célèbre, et Bérou imagine que l'eau, en quelque sorte, se répand à travers la toile sur le copiste qui est à l'œuvre dans le musée. La ville Louvre, c'est aussi, je fais un peu de publicité, un film superbe de Nicolas Philibert, dont il existe une version anglaise, Louvre City, qui raconte la naissance du Grand Louvre, c'est-à-dire cet immense chantier symbolisé par la pyramide de l'architecte américain Peille, cet immense chantier qui a abouti à la physionomie que nous connaissons aujourd'hui du Louvre au début des années 1990. Immense chantier d'accrochage, avec ici Jean-Pierre Cusin, qui était en charge à l'époque des peintures. Immense chantier aussi de transport des toiles d'une partie du Louvre à une autre. Cet immense chantier a fait naître un Louvre totalement inédit, ou presque totalement inédit, qui a trouvé une place mondiale dans le paysage des musées, avec quelques constantes, mais néanmoins quelques sévères réaménagements. J'en veux pour preuve la salle des Rubens, l'État en 1904 et l'État en 1993, d'après Bérou et d'après une photo de l'architecture de Peille. Est-ce qu'on a gagné, est-ce qu'on a perdu à ce changement de goût, à ce triomphe du minéral et d'une certaine froideur dans l'aménagement du Louvre? En tout cas, le Louvre est devenu, je dirais, un musée monde et un musée en tout cas conforme à l'esthétique de la fin du XXe siècle.
Désormais, la pyramide qui sert d'entrée générale et qui distribue les parcours à l'intérieur des ailes du Louvre, la pyramide est devenue un symbole non seulement du musée, mais bien sûr de Paris, et donc une forme d'icône pour les visiteurs. Ici, la courbe de fréquentation permet de voir les différents éléments, désolé, de la croissance des visiteurs au fur et à mesure de l'ouverture des différents morceaux du Grand Louvre. Et on voit nettement que à chaque ouverture d'une aile ou à chaque transformation d'une partie du Louvre, eh bien, le nombre de visiteurs augmente, ce qui introduit une certaine forme de surenchère dans l'ouverture, dans la multiplication des surfaces et dans la multiplication des visiteurs. Le Louvre est devenu donc une petite ville-monde et au fond, l'une des dernières expositions du Louvre consacrée à la cité interdite est l'une des figures emblématiques de cette expansion continue du musée jusqu'aux dimensions les plus exotiques ou les plus universelles. Alors, ces visiteurs internationaux, que pensent-ils du Louvre ? On peut diviser les deux types d'avis de la façon suivante. Il y a ceux qui ont une vision positive du Louvre et ceux qui ont une vue plus négative. Et ces études ont été réalisées dans le cadre de ce qu'on appelle la marque Louvre, c'est-à-dire à partir du moment où le Louvre a été amené à développer une politique d'installation, non seulement à Paris, mais ailleurs en France, avec l'ouverture prochaine d'un Louvre dans le nord de la France, à Lens, et aussi dans une expansion internationale aux États-Unis, à Atlanta et à Abu Dhabi. Il fallait donc savoir ce que les touristes internationaux pensaient de l'image du Louvre. Dans les choses positives, on a le savoir, l'érudition, la conservation, la qualité, le sérieux, l'universalisme, la diversité, la longévité, la tradition, mais aussi la démocratisation. Du côté du négatif, on a toute une série de défauts, l'arrogance, la supériorité, la rigidité, le conservatisme, mais aussi, ce qui est beaucoup plus récent, le caractère commercial. Le Louvre, c'est pour les visiteurs qui ne viennent pas d'Europe une image emblématique de l'Europe. C'est-à-dire, pour les visiteurs des jeunes pays, les Amériques, l'Australie, la découverte d'un patrimoine européen. Le Louvre devient donc un symbole de l'Europe dans cette perspective. Mais au-delà, c'est aussi un symbole universel ou universaliste qui est chargé donc de présenter le passé dans sa complétude, dans son universalité. C'est enfin un symbole de Paris auquel la pyramide a donné une image frappante et par conséquent c'est aussi un symbole romantique. C'est un symbole ancien, c'est un symbole culturel. C'est par conséquent d'abord comme un monument que la plupart des touristes étrangers abordent le Louvre. Le Louvre est d'abord un palais avant d'être un musée. Et l'installation, après les fouilles
du Grand Louvre d'une partie médiévale au Louvre, avec la perception des premiers murs, a été un élément important de cette reconnaissance du palais médiéval. Le Louvre est aussi, pour les visiteurs touristes, un lieu d'émotion et un lieu dont il faut chercher la signification, le sens. C'est enfin le lieu obligé de la première visite à Paris. Lorsque les visiteurs du Grand Tour reviennent à Paris, ils sont prêts à aller dans d'autres musées, et notamment à Orsay. Le musée d'Orsay est donc le deuxième musée, celui qu'on visite une fois qu'on a vu le Louvre et une fois la première visite à Paris réalisée. Pourquoi le Louvre d'abord ? Parce qu'un certain nombre de toiles ou d'œuvres qui ont valeur de fétiche ou d'icône se trouvent au Louvre et qu'il faut d'abord les voir, les admirer, avant de passer, si j'ose dire, à autre chose. Je ne vais pas entrer dans le détail, puisque vous connaissez tous les œuvres majeures du Louvre et pour lesquelles on se déplace, la Joconde, la Vénus de Milo, la Victoire de Samothrace, les Diamants de la Couronne, et vous connaissez tous les départements les plus remarquables de ce point de vue, à savoir les départements d'antique et les départements de peinture. Mais lorsqu'on interroge les visiteurs étrangers au Louvre, on s'aperçoit que l'histoire du Louvre les a beaucoup retenus, peut-être davantage, et sûrement davantage, qu'ils ne le pensaient au début. Et cette signalétique assez curieuse, qui associe la sortie avec l'histoire du Louvre, est assez éloquente, parce que, effectivement, l'histoire du Louvre comme palais, cette présence des murs du Moyen-Âge est très forte dans l'imaginaire des visiteurs du musée. Alors, les conséquences de cette abondance de visiteurs, elles sont parfois négatives et on a pu parler d'une hyper-fréquentation du Louvre. Hyper-fréquentation, c'est le résultat de la politique volontariste de public et ce sont des conséquences que chacun connaît. Le musée du Louvre est généralement sale, il n'est pas très sûr, il est surtout difficile d'accès et il est particulièrement difficile de voir les icônes du Louvre, à savoir Mona Lisa et les autres. 30% des visiteurs du Louvre sont satisfaits en passant 20 secondes devant la Joconde et la moyenne de présence est de 50 secondes. Vous voyez que la gestion des flux au Louvre, qui est une gestion grâce aux gardiens, est une gestion extrêmement autoritaire qui ne permet pas, évidemment, la contemplation. Elle permet en revanche la prise de photos, et on rejoint là ce que l'on disait ce matin à propos de Marc Fumaroli, puisque la pratique de la photo est devenue une pratique d'appropriation essentielle dans le grand tour du XXIe siècle. Certes, certains musées veulent interdire la prise de photos, car la prise de photos ralentit le flux de visiteurs. Ce n'est donc pas pour des raisons de copyright ou de marchandisation que le musée d'Orsay a interdit les photos. C'est tout simplement parce que la photo demande du temps et, par conséquent, elle bloque les autres visiteurs. Cette absence de photos produit une frustration intense du visiteur que le musée doit gérer en lui offrant d'autres accès à l'image et en particulier des accès numériques comme ici avec les fameuses applications pour iPod, iPhone, etc. et autres smartphones
que les musées parisiens ont développé avec d'autres, comme ici, toujours à propos du Louvre. Mais les conséquences de ce grand tour contemporain, ce sont aussi des conséquences commerciales avec la construction du carrousel, c'est-à-dire cet espace commercial tout à fait spectaculaire, le plus grand espace commercial du monde pour un musée, et une situation assez précaire finalement, où le commerce n'est ni tout à fait à l'intérieur du musée, ni tout à fait à l'extérieur du musée. Le carrousel et ses magasins sont à la fois dedans, le musée, la ville, Louvre, et dehors, puisque, évidemment, les fouilles à l'intérieur du musée se font après le passage à l'entrée. C'est aussi un espace curieux où l'art, dans ce qu'on appelle le grand art, se mêle à des produits de commerce, à des produits d'art populaire ou à des produits commerciaux proposés par d'autres musées, où, en d'autres termes, le rapport entre la culture populaire marchande du capitalisme et la culture la plus classique, celle du grand tour traditionnel, se mélange dans des proportions qu'il est difficile souvent de mesurer. Et les limites sont parfois atteintes entre l'exploitation commerciale d'une exposition et sa valeur proprement patrimoniale, lorsqu'il s'agit par exemple d'une marque qui s'associe à une histoire très longue de l'horlogerie française, mais aussi à une forme d'exposition qui prend le Louvre et la pyramide comme emblème d'une campagne publicitaire. Le Louvre, c'est aussi un musée éphémère, à savoir des expositions que les visiteurs étrangers, à vrai dire, visitent peu, puisque l'essentiel du grand tour international se focalise sur les collections permanentes du Louvre et non pas sur les expositions temporaires. Ces expositions temporaires au Louvre ont une physionomie complexe. Elles peuvent être dans le musée, dans les murs du musée, ou elles peuvent être hors les murs, c'est-à-dire dans les jardins, le jardin des Tuileries qui dépend du Louvre. Elles peuvent être des installations permanentes, comme le plafond de Georges Braque, ou bien des installations temporaires qui se sont appelées contrepoint, c'est-à-dire une évocation de l'art contemporain et de l'art classique dans un certain nombre de salles. Ces expositions ou ces invitations ont clairement eu le souci de placer le Louvre dans un contexte international marqué par de grandes figures d'artistes ou d'intellectuels, souvent par des prix Nobel. Ça a été le cas avec l'une des premières grandes invitations, celle de Toni Morrison. Ça a été aussi le cas avec certaines manifestations de contrepoint, comme en 2007, le travail d'Anish Kapoor à l'intérieur de la cour Khorsabad, qui restera comme l'un des aspects les plus réussis de l'installation de l'art contemporain au Louvre, ou comme en 2009, l'installation de Joseph Kosuth, Ni apparence, ni illusion, qui se proposait ce motif, le mur et la surface de sa propre histoire enfouie, et où Kosuth travaillait précisément sur le mur médiéval du Louvre, conduisant d'ailleurs, d'après une rumeur, le Louvre à se demander s'il n'achèterait pas définitivement l'œuvre, ces œuvres étant évidemment des œuvres temporaires. C'est aussi le cas avec un certain nombre d'installations qui ont été réalisées sous la pyramide, dans un endroit emblématique laissé vide à l'ouverture,
et que l'architecte Peille avait choisi comme devant supporter l'œuvre la plus emblématique du musée. Alors cette œuvre la plus emblématique du musée, finalement, le Louvre ne l'a jamais trouvée, ne l'a jamais installée, mais il a installé des œuvres temporaires, comme le groupe Versus de Tony Craig en 2010. La dernière exposition, qui est celle de Wim Delvoye, travaille sur un aspect du Louvre que l'on connaît peu, à savoir les grands appartements Napoléon III. Et l'artiste a donc installé dans ses grands salons des évocations qui font référence à son goût pour les cabinets de curiosité ou encore le néo-gothique, au point d'installer ce qu'il appelle le suppôt sous la pyramide du Louvre, sur ce socle prestigieux de Peille. Alors, si l'on considère l'autre grand musée de Paris, le musée d'Orsay, on peut dire que si le Louvre a été et a cultivé l'image universelle, le musée d'Orsay a cultivé plutôt l'image parisienne. Le musée d'Orsay est une ancienne gare et par conséquent son architecture évoque bien davantage la vie parisienne et la vie parisienne du XIXe siècle que le Louvre, même dans sa transformation actuelle. Le musée d'Orsay a aussi connu un succès considérable, mais plus modeste et davantage inscrit dans un paysage urbain parisien, qui est celui des quais de la Seine et des grands palais qui le bordent. Si bien que la production de cartes postales, par exemple, du musée d'Orsay, est une production beaucoup plus française ou d'art français, ou considérée comme la quintessence de l'art français du XIXe siècle. C'est particulièrement vrai avec la rénovation de la Galerie des Impressionnistes aujourd'hui. La Galerie des Impressionnistes a été transformée en un musée relativement classique, c'est-à-dire qu'elle a été peinte en gris, l'accrochage a été renouvelé, et les grands noms de la collection d'Orsay sont désormais accrochés dans un contexte, à savoir un parquet et une teinte de mur coloré, qui font davantage référence à des espaces du XIXe siècle et qui sont tout à fait différents de l'installation primitive d'Orsay. Orsay, c'est aussi un café qui donne sur l'espace parisien, sur une terrasse, et c'est aussi le seul musée parisien qui fait partie du Grand Tour, a présenté la ville de Paris en miniature, ou au moins le quartier de l'Opéra, sous forme de cette très célèbre maquette qui connaît un grand succès, et qui a été aussi réinvestie par l'artiste Annette Messager en 2006, avec cette installation intitulée « Les mystères de Paris », les mystères de Paris qui font référence, bien entendu, à un feuilleton célèbre du Paris du XIXe siècle. Autrement dit, s'il y avait, comme le propose ce cours, une correspondance entre l'image d'une capitale et l'image de son musée, si le Grand Tour devait relier d'une subtile manière un ensemble de caractéristiques urbaines et la visite d'un musée, c'est probablement au musée d'Orsay, bien davantage qu'au Louvre, que l'esprit de Paris devrait être présenté. Orsay s'emploie, comme l'ensemble des grands musées, à étendre ce message sur le web, avec la nouvelle installation de Google Art. Vous voyez ici le petit dispositif
qui permet, qui a permis en deux jours à Google Street View de numériser le musée d'Orsay, et notamment de s'intéresser à l'une de ses toiles les plus marquantes, au point que l'on pourrait soutenir que l'on voit mieux aujourd'hui cette toile sur le web que dans le musée. Alors, je voudrais terminer par quelques évocations de ce qu'on pourrait appeler le musée universel parisien à partir de la décennie 2000, c'est-à-dire le musée du XXIe siècle. On a évoqué toute la journée, et j'avais terminé par là, le caractère dématérialisé de la visite de nombreux musées aujourd'hui et cet aspect mondial que représente le web. Je voudrais insister plutôt, quant à moi, sur la mondialisation des collections et des musées réels qui s'est jouée depuis 10 ans à Paris. Elle a été marquée en 2000 par l'ouverture d'un nouveau département au Louvre, le pavillon des sessions, consacré aux arts primitifs, disait-on, puis premiers. En 2003, la décision de créer un département d'art islamique, toujours au Louvre. En 2006, l'ouverture du musée Branly. Et en 2007, l'ouverture d'un musée périphérique consacré à l'histoire de l'immigration dans le palais des colonies de 1931. Le premier élément, c'est évidemment l'ouverture dans le Louvre d'une section consacrée aux arts premiers grâce à l'activité du marchand et collectionneur Jacques Kerchache, qui était l'ami de Jacques Chirac et qui a abouti à l'installation d'une ambassade du musée du Quai Branly, illustrée par la petite sculpture en terre cuite mexicaine, dans le grand plan du musée du Louvre. Le pavillon des sessions restera, semble-t-il, au musée du Louvre, même après l'ouverture du musée du Quai Branly, pour illustrer précisément cette universalité du Louvre. Et même si la petite figure mexicaine Chupicuero reste au Louvre, elle est l'emblème du musée du Quai Branly, ce qui est un cas tout à fait unique dans l'histoire des musées dans le monde. Le Louvre universel, c'est aussi l'installation du Louvre dans plusieurs sites, je l'ai évoqué, et c'est surtout le nouveau département des arts de l'islam qui représente, selon Henri Loirette, le directeur du musée, je cite, « la part lumineuse d'une grande civilisation ». Ce nouveau département des arts de l'islam et l'héritier de la grande collection islamique du Louvre et du musée des arts décoratifs, et il est installé sous une sorte de tapis volant spectaculaire qui évoque précisément la civilisation du monde islamique. Mais la recherche de l'universalisme, c'est aussi l'ambition de ce que le Louvre a appelé le Musée Monde en 2011-2012. Le Musée Monde, qui a été confié au prix Nobel de littérature Le Clésio, et qui se proposait d'illustrer cette formule de l'écrivain « Les musées sont des mondes ». Formule assez paradoxalement illustrée d'ailleurs par le musée en ruine de Hubert Robert. Mais au-delà de cette image très fidèle à des utopies des Lumières, le musée Monde de Le Clésio introduisait au Louvre des objets tout à fait inédits, par exemple ces
automobiles mexicaines sous la pyramide, ce qu'on appelle les low riders, qui font partie de la culture populaire, notamment dans l'agglomération de Los Angeles, et qui avaient été primés dans des concours de beauté automobile, justement dans la côte ouest des États-Unis. Cette idée du monde muséal comme monde universel, elle a aussi été illustrée par l'inauguration cette année du nouveau palais de Tokyo, situé donc dans le fameux palais de l'exposition universelle de 1937. Palais de Tokyo débarrassé de son décor ancien, et à vrai dire qui figure un vaste loft new-yorkais, et Palais de Tokyo consacré désormais à une nouvelle forme de présence de Paris sur la scène artistique internationale, à savoir la triennale. Cette triennale avait d'abord été une triennale de l'art français. Elle avait été lancée en 2006 et elle est devenue en 2011, avec l'appel au commissaire général Invesor, une triennale d'art universel ou d'art global. L'appel au commissaire nigérian a été éminemment symbolique, puisque c'est lui qui avait été appelé à la Documenta de Cassel en 2002 et qui avait inauguré ce qu'il appelait une vision périphérique de la création. Et cette triennale s'est donc fondée sur l'intitulé « Intense proximité », intense proximité qui, pour lui, manifeste la globalisation de l'art contemporain. Elle a été marquée, ou elle est marquée, puisqu'elle dure toujours, par un certain nombre d'œuvres qui mettent en cause l'idée même de collection de musées. Ainsi, dans la frise Trésor de guerre, qui évoque des formes de confiscation occidentale de butins coloniaux, ou bien dans cette interrogation de Georges Adéagbo, la porte, derrière la porte, qu'est-ce qu'il y a derrière la porte, et qui joue sur l'invitation par le gouvernement français d'artistes africains, alors que simultanément la politique africaine de la France est mise en cause, à la fois politiquement et culturellement, par ces mêmes artistes ou ces mêmes intellectuels. Parler, et ce sera mon mot de conclusion, parler des touristes, parler du grand tour, parler de la fréquentation des musées, c'est très souvent poser la question du bon ou du mauvais usage des musées. En tout cas, c'est souvent vouloir donner la leçon aux visiteurs, c'est-à-dire expliquer comment il faut visiter un musée. Je voudrais éviter cet écueil en affirmant qu'on peut visiter un musée de n'importe quelle façon, commençant par le milieu, la fin, ou même par le début. On peut commencer aussi un musée en visitant le jardin, comme au Louvre, en commençant par les Tuileries. On peut aussi utiliser la visite de musée à travers cette culture numérique dont nous sommes tous les acteurs. Et j'ai été frappé de découvrir que le musée du Prado a édité ce qui ressemble dans son dépliant à une table lumineuse, et en particulier aux tables lumineuses numériques, ce qui permet aux visiteurs, j'ai pu le constater tout à l'heure, à la cafétéria, de choisir sur les photos ce qu'ils veulent voir, comme on choisit sur un
dépliant ou sur un PowerPoint numérique ce qu'on veut montrer. Ce type d'usage, on le rapporte souvent à l'évolution de la lecture, puisque les historiens de la lecture ont, ces dernières années, essayé de montrer qu'il y aurait un passage entre la lecture intensive de l'Ancien Régime et la lecture extensive d'aujourd'hui. Autrement dit, on lirait aujourd'hui extensivement parce qu'on dispose d'une foule de livres, des livres bon marché, des livres de poche que l'on feuillette ou dont on lit deux pages et que l'on met de côté avant d'en prendre un autre, tandis que au XVIIIe siècle ou encore au XIXe siècle, on lisait des livres chers, des livres que l'on lisait de la première à la dernière page et dans lesquels on s'immergeait. C'est un peu la thèse qu'a développée Marc Fumaroli. Aujourd'hui, on est à peu près convaincu que cette opposition entre la lecture intensive et la lecture extensive n'est pas vraie. C'est-à-dire que au XVIIIe siècle, comme aujourd'hui, on pouvait lire au milieu d'un livre, à la fin, on pouvait lire extensivement des livres, même s'ils étaient relativement rares ou relativement chers, de même qu'aujourd'hui, on peut lire intensivement un livre de poche, même s'il est très bon marché, et si on peut le jeter pour en acheter un autre. Autrement dit, je suis convaincu que les cultures, les pratiques de musées sont beaucoup plus diverses qu'on le dit souvent, et que le visiteur de musée aujourd'hui n'est pas plus ignare ou plus dispersé qu'il l'était autrefois. Je pense aussi, et on le sait grâce aux mémoires d'un touriste de Stendhal, que dès le début du tourisme, dès le début du XIXe siècle, certains des pratiquants du Grand Tour visitaient les musées trop vite, ne regardaient pas les œuvres ou les regardaient de manière distraite. Stendhal dit dans un de ses textes que si les Français aimaient autant la peinture qu'ils le disent, le Louvre serait plein de visiteurs. Mais que malheureusement il n'en est rien et que l'antichambre d'un ministre est beaucoup plus remplie que la galerie du Louvre. Aujourd'hui, on serait tenté de dire que Stendhal a finalement eu tort et que la galerie du Louvre est beaucoup plus remplie que l'antichambre d'un ministre, ce qui pourrait laisser croire qu'il y a effectivement beaucoup de visiteurs qui aiment la peinture. Mais il y a aussi des gens qui courent dans la grande galerie, comme l'illustrait le film de Jean-Luc Godard en 1964 avec Bande à part. Et cette pratique, au fond, assez curieuse du parcours d'un musée, est devenue une forme de leitmotiv de l'art contemporain avec, en 2010, l'artiste suisse Lippert, qui a entendu battre le record de traversée du Louvre établi par les personnages de Godard. Ce n'est pas forcément cette pratique que je recommanderais, mais je pense que il en est de la visite de musée comme de cette œuvre contemporaine, à savoir qu'elle mérite aussi d'être pratiquée avec une certaine désinvolture parfois. Merci.